Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, je veux évoquer quelque chose de précis c'est la rupture. Parce que si on ne commet pas cette rupture, la politique actuelle et même passée nous a entraînés vers cette, cette espèce de déchéance, cette destruction de la France. Et franchement, c'est lamentable, c'est écœurant et cela fait quand même pitié. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agressions et de crimes gratuits commis par des barbares en France, sous un prétexte qu'on ne veut pas dire qui est le trop plein de gens qu'on ne devrait plus accueillir. Et même les fameux OQTF, obligation de quitter le territoire français, une obligation qui n'a jamais été appliquée, le prouvent puisqu'ils sont tous récidivistes. Donc, je dis qu'il faut la rupture. On doit absolument rompre avec ce passé. Donc je ne vois pas, franchement, aujourd'hui, de politicien capable de le faire. Et il faut le dire parce que c'est la vérité. Alors il y a bien des gens qui vous parlent de ceci ou de cela, qui ont l'air d'être compétents, mais qui n'ont rien prouvé. Et il y a bien euh, des idéologues qui vous disent que ceci ou cela, et c'est tout. Et puis alors que les Français aujourd'hui, à plus de 75%, euh, savent et le disent que tout ce qui a été fait contre l'immigration est raté. On ne comprend pas pourquoi ces gens, donc qui ont senti ou ressenti ce problème, continuent à voter pour les partis politiques traditionnels, notamment pour Macron, qui est. Euh, le gars qui va nous mettre des migrants dans tous les petits villages français qui étaient jusqu'alors tranquilles et où l'on vivait très bien, sous un prétexte toujours le même, hein, la panne de l'ascenseur social, euh, le bien vivre ensemble, la tolérance, enfin je vous en passe tous. Euh, et ça, c'est plus acceptable. Et il nous faut aujourd'hui la rupture, une rupture totale, hein, quitte à ce que ce soit encore plus difficile pendant quelque temps, mais si on ne revient pas à une France vivable, on arrivera à une France invivable. Et celle-là, moi, je n'en veux pas, elle ne me plaît pas, et les politiciens, quand vous leur, essayez de leur écrire, de leur parler ou de leur dire des choses, ils n'en ont rien à faire. Vous pouvez le faire vous-même, hein. vous pouvez prendre une lettre, un mail ou ce que vous voulez, écrire ou aller les voir, et vous allez comprendre qu'ils n'en ont rien à faire. Chacun est là pour défendre son précaré, pour avoir sa petite position sociale, son petit machin et son petit truc. Et ça, ce n'est pas une rupture qui va s'annoncer, c'est la continuité. Et cette France de la continuité, elle est foutue. Donc clairement, aujourd'hui, il faut créer un mouvement, il faut faire quelque chose pour une rupture. On doit aller vers cette rupture. On n'a pas d'autre choix que de faire une rupture avec le système actuel qui a tout foiré parce que c'est ça la vérité le système a foiré on peut pas prendre d'exemple en vous disant oui là on a réussi cela là on a réussi ceci c'est pas vrai c'est pas vrai alors bien sûr les médias cachent magnifiquement je vais dire tout ce qui se passe dans cette France profonde, mais il suffit de lire les journaux locaux, il suffit d'entendre les gens, de, de voir ce qui se passe, de parler avec des professionnels, comme des médecins ou des, des gens dans les hôpitaux et ailleurs, pour comprendre à quel point cette France-là est en cours de destruction totale c'est fini, ne faut pas rêver si on ne fait pas cette rupture vite fait et bien fait, on n'aura pas le choix de toute façon, c'est pas le choix on a un choix entre rester la France ou ne plus être la France alors, effectivement euh, j'ai envie de vous dire, moi je choisis la France et si je choisis la France, il faut la rupture voilà, bon je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver, c'est pas bon comme vous le savez, alors je remercie comme d'habitude ceux qui partagent et il en faut parce que si vous faites pas cela il y a personne qui parle de nous et je remercie également tous ceux qui sont abonnés et qui continuent de, de faire la promotion de ces vidéos mais celle-ci je crois qu'elle est très importante et croyez-le il faut cette rupture pensez-y il faut imposer ce, 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 cette volonté de, de rompre avec ce passé de rompre avec cette politique politicienne qui ne vaut rien n'a rien fait pour nous et au contraire qui nous précipite dans un espèce de gouffre absolument phénoménal donc si on ne fait rien si on ne fait pas cette rupture on va devenir un nouveau pays qui ne sera plus le nôtre pensez y merci à bientôt